Bien, rebonjour. Toujours en dessous des montages, hein, de la fameuse 24 de notre ami Dédé. Alors voilà, hein, je vais vous faire voir. Là, je suis au niveau du démontage des étriers arrière. Hein. Bon, je vous ferai voir les travaux à l'avant. Hein. Donc, j'ai démonté les amortisseurs, bien sûr. Hein, démonté les amortisseurs, comme on peut voir. Et là, je suis au niveau étrier. Et regardez-moi un peu cette bidouille qui a été faite. Hein. Ils ont refait la ligne frein, là, d'accord, hein. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un raccord. Un raccord, ok, et là, ça monte en flexible. Normalement, à l'origine, si vous voulez, le raccord, il monte en dur jusqu'en haut, hein. Il monte en dur jusqu'en haut, hein, et donc pas en souple, d'accord. En souple, à l'arrière, il n'y en a qu'un, normalement. Au milieu, hein, le raccord au milieu, comme il y a là, vous voyez, flexible au milieu. Là, il est ok, on voit le flexible au milieu, ok, ça, c'est normal. Un souple à l'arrière, et là, et rien d'autre. Et là, on se retrouve avec deux flexibles, hein, en plus. Ça, c'est du bidouillage, excusez-moi. Hein, excusez-moi, ça, je ne suis pas d'accord. Ça, on risque d'avoir des problèmes de fuite, hein, sur les flexibles. Hein, voilà, hein, ça fait trois fuites potentielles. Parce que, je veux dire, au flexible au milieu, donc ça peut faire une fuite si je viens se percer. C'est normal, une seconde et une troisième. Trois fuites, je n'ai qu'à voir. Hein, trois fuites potentiel. Ah non, ça, c'est interdit. Alors, bien sûr, là, bon, bien sûr, je démonte, mais quand je vais refaire le remontage, eh ben, je vais refaire la partie rigide, hein. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que je veux dire? À la prochaine vidéo, le démontage continue, je vais vous faire voir un petit peu, je vais passer un petit peu à l'avant pour vous faire voir un petit peu, voilà. Hein, voilà. Comme vous pouvez voir, boîte de vitesse, démontée, cardan, transmission, démontée, direction, démontée, étrier, démontée. Hein, vous voyez un peu? Voilà, ça travaille. Bon, alors la prochaine intervention, qu'on va dire, la prochaine intervention, je démontrerai donc les suspensions avant, hein, les deux lames de suspension inférieure et supérieure, et les barres de torsion et le train arrière. Hein, voilà. Voilà, maintenant je vais démonter mes étriers, hein, et après, la prochaine intervention, ben, ça sera la voiture, elle sera posée sur chariot. Voilà, merci, à la prochaine vidéo.